We'll be right back.
Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 38e épisode de ce Let's Play sur Pokémon Saphir Alpha sur 3DS. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc vous voyez qu'on se retrouve à Pacifiville après un montage d'entraînement de près de 6 minutes, bon en réalité c'était 2h15, où j'ai, comme je vous l'ai dit, exploré toutes les routes maritimes de l'année, donc c'est-à-dire 124, 125, 126, 127, 128, 129, jusqu'à 134. J'ai les ai passés au peigne fin, j'ai affronté tous les dresseurs, récupéré un maximum d'objets, peut-être pas tous, parce que j'en ai laissé 2-3 que j'aurais vous montrer pour une prochaine fois. Et avant de commencer, je vais juste, dans un premier temps, lancer la connexion internet pour voir si, par hasard, j'aurais pas reçu un mirage ou un truc comme ça, surtout maintenant qu'on peut voler à dos de Mega Latias, je vous montrerai ça bien entendu, hein. Y a des chances que ça pop. Donc vous allez voir que l'équipe a beaucoup progressé, puisque quand même en affrontant, je veux dire, j'ai mes comptes. Je vais juste vous donner le nombre de dresseurs que j'ai affronté. Alors 6, 10, 16, 22, 26, 34, 37, 42, 43, 49, 52, 57. 62, 70, j'ai affronté 79 dresseurs dans le montage que vous avez vu. Toutes les routes maritimes comptant tout 79 dresseurs, je les ai tous affrontés, qu'ils soient à la surface ou sous l'eau, puisque maintenant, il existe la catégorie de dresseurs plongeurs. Bon. Du coup, oui, pour le programme donc de la suite, je me suis souvenu du quatrième endroit que je voulais explorer, c'était le site Météore. Maintenant qu'on a accès à Cascade, on devrait pouvoir l'atteindre. Alors pourquoi la connexion internet ne veut pas se barrer? En plus, il y a tous les gens qui défilent, donc concrètement je suis connecté. Et je peux pas bouger, super. Allez, voilà, connexion internet réussie, je te remercie. Bon, on va aller voir un petit peu. Oh, il y a l'air d'avoir du nouveau. 30? Ouais, vas-y. Vous avez croisé 30 personnes. Il y a du nouveau, mise à jour des bases secrètes. Un mirage a été trouvé. Intéressant. On ira voir ça. Et surtout que ça pourrait être une idée pour obtenir le fameux Passéon qui nous permettrait de capturer l'autre éon. Bon. Je vais éviter de trop parler parce qu'on a du pain sur la planche. Surtout que je voudrais être à la grotte Tréfonds dans les prochaines minutes. Parce que j'avais dit, la grotte Tréfonds, on l'explorera, mais on l'explorera en deux fois. Parce qu'en fonction de l'heure, la marée sera différente. Alors si vous voulez faire une exploration complète, je vais vous donner les heures. La marée haute, entre 9h et 15h, et 21h et 3h du matin. Et la marée basse, 3h, 9h du matin, 15h, 21h. J'enregistre, il est 14h35, vous comprendrez qu'on va commencer par ça, avant de se diriger vers la Vendiacie comme promis. Donc on va parler un petit peu à tout le monde ici, bonjour. Vote sur une colonie de coraillons, c'est possible. Ah, mais le pire, c'est que ça dit, elle dit qu'on est sur une colonie de coraillons, mais il est impossible de capturer un coraillon dans cette ville. Que ce soit à la pêche ou par surf. Oh, et je viens de me rendre compte que je manque à tous mes devoirs. Il y a eu une évolution de l'équipe, je ne vous l'ai pas présentée. Plutôt qu'il y a eu du changement. Alors, vous avez vu que le niveau a nettement augmenté, puisque maintenant, Ghiraim, notre Galam, est niveau 52 avec Dance Lam, Coup Psycho, Force et Casse Brique. Naga, notre Camerupt, est niveau 52, elle aussi, avec Ébullilave, Tellurie, Force, Éboulement et Éruption. Jex, notre Junko, est niveau 52 lui aussi avec Exploforce, qui remplace donc Puissance Cachée Combat, c'est pas très précis mais c'est beaucoup plus puissant. Double bas Fer d'Herbe et Plaie Croix. Metalos, niveau 52 avec Pisto Point, Point Météor, Psycho de Boule et Séisme. Fluffy, niveau 53 avec Cotogarde, Pouvoir Lunaire qui va remplacer Echo. Si je vois que c'est pas mieux, je remettrai Echo, c'est pas un problème. Dracochoc et Atterrissage. Et enfin Mako, notre Charpedo, niveau 53 qui a Machouille, Surf, Cascade, puisqu'on va en avoir besoin, et Crochifre. Ok, salut mon petit. Maison se construit sur l'eau, tu es... Alors est-ce qu'on a des objets cachés? Ouais, on a l'air d'en avoir. Bonjour monsieur le pêcheur. D'accord. Oh, apparemment il y a l'air d'avoir un objet caché dans le coin avec les couilles aliens. Mais surtout ce qui nous intéresse... Juste à... Voilà, on a une grande perle. Et juste à côté, vous voyez comme moi, un éclat de méga gemme. Il s'agit de la Kangourexite que je vais m'empresser de valider sur ma fameuse feuille des méga gemmes. Ok, donc maintenant qu'on est là, bon, on a une maison juste à notre gauche, on va surfer pour aller l'explorer. De toute façon, Pacifiville, c'est vraiment un petit coin tranquille, donc du coup, l'exploration ne devrait pas nous prendre beaucoup de temps. Bonjour, messieurs, dames.
Un Pokémon dans le ciel, un Pokémon dans le ciel. Ok, si tu veux. Et toi, tu viens d'où? Ah, la fameuse blague. Est-ce qu'on vient de oui ou est-ce qu'on vient de non? Alors, on vient dire qu'on vient de oui. Oui, Ouiville? Jamais entendu parler. C'est normal. Tu n'as jamais oui dire. Alors, les gens racontent qu'ils ont vu un Pokémon survoler la région de Hoenn. Rayquaza, probablement. Yo. Merci, monsieur. Genre, le mec, on lui dit... On va peut-être remettre la cam, voilà. Le mec, on lui dit bonjour. Tiens, prends la CT56 de dégommage. CT56 de... Attendez, il a parlé du grand stade du Nice. Si je me souviens bien, dans Noir et Blanc, il y a une route où il y a un péon, c'est un lanceur où il fait hey, « Hé, réflexe !» Et il nous envoie la CT dégommage. Vous croyez que ça peut être lui qui a pris sa retraite? Je sais pas. Bon, on n'a rien par ici, on va aller voir un petit peu cette maison. Cette maison, si je me trompe pas, elle sera importante pendant la chasse aux légendaires. On va quand même aller, on va quand même aller voir. 6 points ouvrent 3 portes. Pépé répétait souvent ça, mais je sais pas ce que ça veut dire. Référence au Reggie, vous comprenez un peu. À Hoenn, il existe 3 Pokémon qui incarnent la puissance de la pierre, de la glace et de l'acier. On raconte qu'ils se terrent dans des grottes obscures. Du moins, c'est ce qu'on m'a raconté quand j'étais petit. Bon, ça, bien sûr, ce sera au programme de la deuxième partie, enfin, de ce qui se passera après l'épisode Delta. Parce qu'on fera d'abord l'épisode Delta et ensuite la chasse aux légendaires. Oh, mais dites-moi, il y avait une maison ici. Et là, on trouve une Ikaiker, c'est bien! En même temps, vous voulez me dire, avec tous les bancs de love disc qu'il y a dans le coin, ça me paraîtrait logique qu'il y ait des Ikaikers. Alors, bonjour monsieur! On avait plusieurs de ces mirages, j'y suis même allé. J'ai complètement oublié de se trouver. Oh bah, le mec, il te dit un truc random, il te file la CT choc si. Merci. Alors évidemment, lui qui parlait de l'île Mirage. Bon, attends, les mirages, je vous montrerai ce qui se passera quand on sera à dos de Mégalathias d'ici à peu près 2-3 minutes. Le temps de finir d'explorer la ville. Bonjour madame. Voilà, il nous explique donc les courants entre Pacifier et les Poivres Sels. Vous avez vu d'ailleurs que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour choper tous les dresseurs ainsi que les 3 CT qui sont sur ces routes. Salut! Ok, yo. Alors, ok. Jolifleur contre Corailon. J'ai pas de Jolifleur malheureusement, mais le pire c'est que je pourrais en avoir un. Je crois que j'ai un Ortido PC et une Pierre Soleil. Mais j'ai pas envie de faire l'échange interne. J'ai pas envie. Ok, donc rien ici. Il ne reste plus que cette maison à explorer. Et on va voler à dos de Mégalathias, les gens. Ça, c'est génial. Bonjour, monsieur. Le président, c'est-à-dire la personne la plus importante du Pokémon, c'est... Non, en fait, c'est mon frère. Je suis juste ici en vacances avec mon Pokémon. Voyons voir. Ton Pokémon t'aime énormément, sans aucun doute. Un compagnon aussi adorable et bien c'était comme celle-ci, non? C'était 27 retours, et bien sûr, si vous avez en première position un Pokémon qui vous déteste, vous aurez la CT 21, 21 frustration. Voilà. Bon. Allez. On prend la flûte Éon. Ça me fait toujours penser à la flûte de Link to the Past. Regardez. On grimpe sur Latias, et... Méga évolution en plein milieu de l'air. En l'air. C'est pas génial, ça? Et regardez, on survole Hoenn. Alors faut que j'aille voir quelque chose. Alors on a la plaine dit son nom, ça c'est un truc pour attraper des légendaires, on ira plus tard. Ok, donc rien dans le coin d'Eternara, donc ça veut dire que l'île croissant n'est pas apparue. Wohoho! On peut faire des acrobaties, c'est énorme! Alors avec R on fait un looping. Avec L on fait un espèce de barrel roll. Alors avec X on peut monter, avec Y on descend. Et avec B on a un boost. Oh c'est énorme! Et regardez-moi tous ces endroits quoi! Mon mirage. Oh c'est génial! Oh je surkiffe! C'est bon ça, c'est bon! Regardez-moi ça si c'est pas bon quoi! Allez on... Ouh c'est quoi ces endroits? Forêt mirage. Forêt mirage. Putain, mais il y en a plein! Il y en a plein! Mon mirage. Il mirage. Mon mirage. Bon, je vais aller atterrir sur la route 125 ou à Chenal 124. Est-ce que je peux atterrir à la Chenal 125? Au pire, je m'arrête à Alga. On va atterrir à Algacia. Et on va partir donc en direction de la grotte Tréfonds,
qui sera donc en marée haute, enfin en marée haute ou basse, faut que je revoie mes notes, attends, il est 14h42, donc qui sera en marée haute pendant encore un petit quart d'heure. Ok. Mais je serais d'avis peut-être, genre quand on fera le reste des méga-gemmes, d'aller jeter un œil au mirage, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Après tout, pourquoi pas, on peut peut-être trouver des Pokémon intéressants, ou même des items. Allez, on va foncer donc en direction de la grotte Tréfonds qui est dans sa scène base secrète. Qui est voilà, là, devant ces deux jeunes filles. Et donc on va l'explorer à marée haute. Et dans le prochain épisode, on l'explorera à marée basse. Je vais faire plusieurs épisodes. Ok. Donc là, on est à marée haute, si je ne me trompe pas. Bonjour monsieur. Oh, tu as prévu de continuer plus loin? Dis-moi, et si tu m'apportais des sels Tréfonds et des coquilles Tréfonds? Je te ferai quelque chose de bon si tu m'amènes ce qu'il faut. Bon, écoute, si tu veux... Oh, alors attendez, on est déjà... Alors après, il est possible que certains items qu'on ait, qui apparaissent au cherche-objet, ne soient là qu'à cause... ne soient là genre qu'en marée, qu'avec une certaine marée, alors... A mon avis, ça doit être dans la, dans le truc qui est immergé parce qu'on est à marée haute. Donc peut-être qu'en revenant à marée basse, on pourra avoir l'objet. Alors, un morceau. Ah, oh, c'était peut-être le morceau d'étoile là qui nous indiquait. C'est tout à fait possible. Donc on commence là. Ah, oh, j'ai oublié de mettre des repousses. Alors qu'est-ce qu'on rencontre, tiens? Des Nosferalto. Oup, oup, oup. D'ailleurs, je sais pas si vous avez, fait attention au montage de 5 minutes et quelques, vous avez remarqué aussi que j'ai fait un putain de plan en termes de repousse, parce qu'en fait, j'ai eu l'idée de donner la pièce rune à Sharpedo et j'ai fait énormément de combats avec lui. Fait que du coup, j'ai pu m'acheter une centaine de repousses et je dois encore avoir plus de 100 000 qui traînent niveau... Enfin, qui traînent. Je dois avoir encore plus de 100 000 en réserve niveau thune. Donc du coup, on va avancer tranquille au poète-poète. On va aller voir ce qu'il y a par ici. Alors, Denis qui venait de remarquer un Pokémon caché, ok. Rien par ici. Je me demande si on peut accéder à cette grotte là-bas avec la marée. On va aller voir l'autre l'autre coin. Ah bah, y a une grotte qui a l'air accessible. Bon, on va rentrer, on va voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. A mon avis, on peut pas faire grand-chose d'autre que surfer. Bah, allons-y, surfons. Ouais, je crois qu'on peut même plonger. Genre, ah, si j'avais su, j'aurais pris Tentacruel. Ah non, c'est juste un effet. Apparemment, on peut pas... Ça nous indique même pas qu'on peut... Ouh, c'est quoi ça? D'accord, les conquis Tréfonds, c'est pas dans des Poké... Oui, vous me direz, c'est logique. C'est pas dans des Pokéballs, c'est logique. C'est logique. À mon avis, non. Je pense que si on pouvait surfer, ce serait nettement plus profond. Ça va être juste une histoire de reflet ou un truc comme ça. Allez. Deuxième coquille Tréfonds. Alors donc à noter, donc en fonction de la marée, vous aurez soit les coquilles, soit les sels. Et vous trouverez les quatre. On va continuer par ici. Ah, on peut mettre le pied par là. Ok. On a un item qu'on peut auquel on peut accéder par là. Un super bonbon. Très bien. Je prends. Je prends. Par ici... Pourquoi ils nous mettent un endroit où... Ah, à mon avis, ça va être un truc qui doit être accessible plutôt à marée basse, ici. Je vais vérifier. Ouais. On n'a pas l'air de pouvoir plonger, donc du coup, je vais remettre ça. Troisième coquille Tréfonds, donc je vois la quatrième là-bas. Je crois qu'ils nous en avaient demandé 4 de chaque. On va aller chercher la quatrième coquille Tréfonds. Oh, c'était quoi ce bruit? Merde, je me demande s'il m'a pas vu. C'est quoi ce bruit? Je reconnais pas le cri. Un Polarume? Ici? Bon, vous me direz, c'est logique. Bon, tant pis, on l'a loupé. Alors apparemment, le fait d'avoir battu Marc nous donne accès à des Pokémon du Dex National. Intéressant. Je savais pas. C'est plutôt cool, vous me direz, hein. C'est vrai qu'il faudra quand même qu'on pense à aller le chercher. Ça avait l'air d'être un Obalu, un Fogler. On trouve une grande perle par ici. Et je voudrais aller voir si on peut aller explorer la grotte à coup de surf.
qui était là, sinon on reviendra à marée basse, donc au prochain épisode, parce que j'ai prévu d'enregistrer 2-3 épisodes aujourd'hui. Aujourd'hui on sera le 4. Non, on peut pas. Ok, donc on a fait le tour de la grotte à marée haute, donc on viendra à marée basse. Bonjour monsieur. 4 sels tréfonds, 4 coquilles tréfonds, une fois par jour. Ok. Bon, je crois qu'on n'a pas, plus de grand chose à faire. Donc, je vous avais expliqué que le programme, ce serait d'aller des trucs autour de Lavandia. On va commencer par le Lavandiasi. Et on va, première chose, on va pas voler tout de suite. On va aller chercher Tentacruel, puisque pour le Lavandiasi, on a besoin de plonger. Et de surf, donc ça veut dire qu'on ne peut pas laisser Mako derrière nous. Enfin, remarquez, si on peut, il suffit juste qu'on apprenne surf à Tentacruel et on est bon, hein. Allez, on va foncer direction le centre Pokémon. Pour le moment, on va pas remettre de repousse, puisqu'on va voler directement vers le Lavandiasi. Ouais, du coup, je pense qu'on va peut-être laisser Sharpedo dans le PC, tiens. On va prendre Tentacruel, on va lui apprendre Surf. Même si c'est vrai que j'aime bien surfer 3 fois plus vite à d'autres Sharpedo, hein, on peut, à un moment donné, on peut... Alors oui, c'était que j'ai trouvé, donc on a Éboulement. Alors Éboulement, elle est dans sur un petit îlot au milieu de la route 134, faut prendre les bons courants pour accéder à peu près, faut être sur le axe nord-sud, faut être à peu près au milieu pour la voir. Boost, la CT77, elle est sur la route 133. Là, il faut vraiment aller plein nord et vous trouverez un kinésiste qui va simuler un combat contre vous, où vous allez le démonter, enfin, vous n'allez pas le combattre en vraiment, mais dans son combat simulé, il va le démonter, et il va vous donner la CT en récompense. Et la CT34, Cradovague, elle est au sud de la route 132. Vous prenez les courants les plus au sud, vous allez arriver sur une île qui fait une espèce de C comme ça. Et vous allez sur le rocher le plus à gauche, c'est un rocher gris. Vous passez derrière et vous surfez à partir de là. Et vous allez arriver sur un petit îlot où se trouve la CT34 Cradovague. Voilà. Si jamais vous vous demandez où je les ai chopés. Donc surf, on va la prendre à Tentacruel. D'ailleurs, si vous avez fait attention aussi au montage, vous avez remarqué que j'ai eu la chance de tomber sur un reliquant en plongée. Le Pokémon le plus rare de la zone grâce au Navidex. Et c'est une sacrée épine en moins dans le pied, dans la mesure où c'est nécessaire pour les Regi. Toujours ça de moins. Il ne me restera plus qu'à avoir un Wailord pour ça. Bon, allez. Et ça fait quand même déjà 17 minutes qu'on tourne. Donc du coup, on va foncer vers le Lavandiasi. Et on va l'explorer en mode tranquillou poète poète. De toute façon, il est pas énorme, le Lavandiasi. Ça nous fera une petite visite en, bien, bien tranquillou comme il faut. Ok, donc hop. Grotte oubliée. C'est un endroit pour des légendaires, ça aussi, je crois. Grotte oubliée, je vais regarder mes notes. Grotte oubliée. D'accord, grotte oubliée, c'est pour Créfolé, Créfadé et Créelf. Allez. On va foncer à la plaine sans nom, je sais plus c'est pour lesquels. Ça c'est quoi? Île Mirage. Le Lavandiasi a l'air d'être là. Chenal 109. Lavandiasi, on va atterrir au Lavandiasi. Ça n'empêche, c'est vachement cool quand même le coup du Méga Latias. Ok, donc nous voici au Lavandiasi. C'est vrai qu'on n'était pas rentré plus loin dans l'épave quand on l'avait fait il y a une quinzaine d'épisodes en arrière. Là par contre, on va vraiment s'atteler à l'exploration du coin. Bonjour. C'est pour une visite? Je suis membre de l'organisation chargée de la protection des espèces naturelles et de la conservation de ce site. Que désirez-vous savoir sur Lavandiasi? Quel est cet endroit? Cet endroit fonctionne comme une plateforme pour extraire des éléments minéraux dormants au fond de la mer. Ceci dit, certains événements ont conduit à sa fermeture. Bien sûr, une telle structure aurait dû être détruite après la fin des activités, mais des études environnementales conduites avant son démantèlement ont révélé que un écosystème unique s'était constitué sur ce site. Pour cette raison, la structure est restée en état, et Lavandiasi est devenue une réserve naturelle. Qu'y a-t-il d'intéressant? Eh bien tout d'abord, vous pouvez admirer cet édifice remarquable auquel la lente dégradation par les forces de la nature a donné cet aspect unique. Enthousiasmez-vous devant la puissance incomparable de la nature, mais faites attention à ne pas vous faire mal en marchant n'importe où. La mangrove qui s'est développée ici abrite des espèces végétales uniques que vous ne pouvez admirer qu'à Lavandiasi ainsi qu'aux environs d'Algacia. En outre, les connaisseurs avertis sauront apprécier les charmes de l'intérieur d'une structure industrielle abandonnée depuis des dizaines d'années, décrépite et envahie par la rouille. Non, rien. Merci beaucoup. À propos, nous récoltons en ce moment des fonds pour la sauvegarde de Lavandiasi. Nous ne demandons que 100 Poké-Dollars par personne. Est-ce que vous de participer? Bah, allez, vas-y, on est gentil. Merci infiniment. J'espère que vous reviendrez nous soutenir à nouveau. Bah, ravi de... Comme il dirait dans Half-Life, ravi de pouvoir aider un collègue.
Ouh, on peut aller escalader là-dessus, c'est intéressant ça. En fait, cet endroit sera intéressant pour la chasse aux légendaires, parce que si vous êtes sur Ruby Omega, OO apparaîtra à cet endroit. Rien que ça. Alors, oh, bonjour monsieur. J'effectue une inspection de l'avant-diacier à la demande du capitaine Poupe. Il m'a également demandé d'en profiter pour chercher le scanner, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Cela dit, je n'ai pas encore cherché où il faut plonger dans les pièces les plus profondes. C'est pas que je suis fait en sucre, mais l'eau et moi, on s'entend pas si bien que ça. Ça veut dire va chercher à ma place. Alors, on trouve une corde de sortie par ici. Pourquoi pas? Alors, de ce côté-là, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Je n'ai pas l'impression. Ouh, on trouve la CT 18 dans ce puits qui traîne comme ça, sur un escalier. Et attendez, je vois que j'ai une saleté sur mes lunettes, faut juste que je les nettoie 2 secondes. Ça me gêne. C'est mieux. J'y vois un petit peu plus clair. Est-ce que je peux rentrer là? Non, je peux pas. Est-ce qu'il y a un escalier de l'autre côté? On dirait bien que oui. Bonjour, monsieur. Ah ouais, cette atmosphère, j'adore. Et ça là, tout décrépit, c'est parfait. Ouais, encore. Si tu veux. C'est là qui est magnifique, c'est parce qu'il y a une expression en anglais, je sais pas comment elle se traduira en français, qui est parfaite vu l'endroit, c'est whatever floats your boat. Entre, littéralement, bon, tant que ça fait flotter le bateau, hein. On est sur un vieux bateau, donc à la limite. Ah non, on peut le mettre. Bonjour! Il y a des Pokémon rares cachés dans ces ruines, j'en mettrai ma main à couper. Ok. Et il y a probablement des dresseurs. Ok. Alors on a un objet par ici. Apparemment pour faire le tour. Alors est-ce qu'on peut rentrer dans une des salles? La porte fermée à clé, il est écrit salle 1 dessus. Alors voyons voir cette salle-là. Ah, on peut rentrer, tiens. Bonjour monsieur. Les lieux comme celui-ci sont rares, alors je vais y jeter un coup d'œil. On dirait qu'il y a d'autres cabines. Ah, il y a des dresseurs apparemment. On va voir un peu le niveau, mais à mon avis, il doit être au niveau de la route, je pense. Luisa et Al qui envoient Lumivol et Mussiole. Peut être n'importe quel niveau. Oh, sympa l'arrière-plan. Bon, normalement, ça devrait être très rapide. Ouais, puisqu'ils sont niveau 29. Bon, bah, Gira, il va faire une coupe psycho sur Mussiole. Et à la limite, Naga va faire un éboulement sur les deux. Oh, tu fais chier, Mussiole. Tu chies dans la colle. Bon, il y avait intérêt à ce que ce qui se fasse one shot, en même temps 23 levels d'écart, super efficace tout ça. Ça rapporte quand même pas mal d'XP, hein. C'est-à-dire, imaginez ce combat, en 5ème génération, on aurait gagné quoi? 150? Allez, c'est parti. Attendez, attendez, attendez 2 secondes. Voilà, c'est mieux. Il y avait ma fenêtre d'enregistrement, j'ai remarqué que la fenêtre d'enregistrement était un peu décalée. Là normalement ça devrait être un peu mieux, vous devriez plus voir le bord de la fenêtre de mon logiciel de capture, le logiciel de la carte capture. Alors il n'y a pas l'air d'avoir d'objet ici, donc du coup apparemment cette salle était ouverte. On va continuer. Bonjour monsieur. Quand j'étais jeune, je travaillais ici. On a beau dire que cet endroit était fermé pour le bien des Pokémon, la vision des ruines qui se dégrade au fil du temps me remplit d'émotions. Tu m'étonnes! Salle 2. Yo? Oh, tu possèdes la capacité plongée? Moi, à cause de moi, j'arrive pas à plonger sous l'eau. Faut que j'apprenne à nager tout seul. On trouve un max repousse par ici. Ok. Donc du coup, je pense qu'on va devoir plonger pour progresser. Donc allons-y. C'est bizarre le cri de Tentacruel. On dirait un espèce de truc. Attendez. Ouais, non. Il y a vraiment rien. On peut vraiment pas progresser. Ok. Allez, on plonge. Donc du coup, on va se retrouver dans la partie immergée du bateau où le scientifique. Eh, vous avez vu, on a le masque de plongée, ça c'est cool. Alors les parties immergées, peut-être là-dedans. Enfin, je sais que c'est là-dedans. Alors ça va être la salle des machines. Alors je crois qu'il faut. Alors le point type, c'est qu'en arrivant en bas des escaliers, commencer à bourriner sur à peu près toutes les cases. Voilà. Quelque chose renvoie un reflet métallique sous l'eau, voulez-vous le ramasser? Oui. Et on trouve le scanner. Qui sera également utile pour un Pokémon légendaire qui apparaît juste ici. Et bien sûr, si vous avez OO dans les cieux, dans les profondeurs, vous trouverez Lugia. A noter que OO est exclusif à Ruby Omega et Lugia exclusif à Saphir Alpha. Avant qu'on me dise, ouais, mais je suis sur Saphir Alpha, je l'ai pas trouvé. Ben, en même temps, voilà. Allez, on va remonter à la surface. Et on va explorer donc l'autre côté de l'Avandiacie. Alors, on a une première porte. Est-ce qu'on peut rentrer?
On peut rentrer apparemment. Vous avez l'impression qu'on vous observe. Alors, je vais sauvegarder, parce qu'il y a quelque chose d'important qui va se produire, et vous seuls en mesure d'empêcher la perte de vos nez, donc pensez à sauvegarder votre partie dès que quelque chose d'important va se produire. Alors je sais pas si c'est dès cette salle-là où on va voir. De vieilles bouteilles en verre sont alignées dans cette armoire recouverte de poussière. Un message est écrit dessus. Boostez vos performances grâce à Devon et sa boisson énergisante aux extraits de poison de ces vipères. Dites non à la fatigue et oui à la productivité. Ok. Il y a un papier à moitié déchiré au milieu des dossiers. Lettre d'aveu. Je, sous-signé Ryuk Osmo, avoue avoir perdu la clé de voûte en provenance de la mine Charbourg. Sino confirmé! Le reste est complètement illisible. Et là, regardez. Vous avez l'impression qu'on vous observe. Bah, c'est pas... Il est pas censé apparaître? Elle est pas censée apparaître. S'il nous parle d'une clé de voûte, je m'étais arrêté ici, parce qu'en fait, c'est ici qu'on peut capturer Spiritomb. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je trouve la clé de voûte. Intéressant. Je me souviens... Yo? Ah. Hé, hey, je te parle, frérot. Mon patron dit qu'il y avait un butin droit au milieu de ces ruines. T'as des infos là-dessus? Oh, tout bien réfléchi, ça m'étonnerait qu'un marmot comme toi sache quoi que ce soit. Tiens-moi quand même au juste à prendre quelque chose, pigé. Alors c'est quoi ici? Ah, on peut rentrer, tiens. Alors moi je veux choper cette clé de voûte. On va voir un petit peu. Les fiches de paye, l'usure du temps, effacer la moitié des mots. Fiches de paye, la vente des sims à Marius Cosmo. Comme ça qu'il s'appelle. Salaire brut. Putain de bordel de merde! Salaire à 6 chiffres? Je veux signer moi. Heure supplémentaire. Ok. Combien? Waouh, 7 lettres. Bon, allons-y, hein. Cher papa, comment vas-tu? Ton travail se passe bien? Moi, je vais bien. Je continue mes études et j'aide pas aussi à la maison. Maman va bien aussi. Elle me cuisine des plats délicieux tous les jours. Est-ce que tu vas rentrer pour les vacances? En fait, j'aimerais bien qu'on aille voir le spectacle d'astronomie ensemble. PS, j'ai fait un dessin à l'école des dresseurs. Je te l'enverrai bientôt. Hippolyte Cosmo. Avec le fils, ou le père, je sais pas. C'est pas un dessin. Le visage d'un enfant à côté duquel il t'écrit « Papa, je t'aime ». Oh. Cher papa, comment vas-tu? Est-ce que tout se passe bien au travail? Je suis triste de ne pas t'avoir vu pendant les vacances. Mais maman n'a pas l'air inquiète et continue de voir ses amis. Au fait, j'ai reçu un télescope. Ça fait tellement longtemps que j'en voulais un. Toi qui me l'as envoyé, n'est-ce pas? Merci beaucoup. J'adore observer les étoiles. Quand je les vois, je me dis que toi aussi tu regardes le même ciel que moi. La prochaine fois que tu rentreras à la maison, j'espère que nous pourrons les observer ensemble. Signé Hippolyte Cosmo, 4e. Cher papa, comment vas-tu? Tu ne travailles pas trop? Tu ne rentres plus à la maison et je commence à beaucoup m'inquiéter. Maman va bien. Elle sort souvent se promener et quand elle rentre, elle a toujours le sourire. À propos, le Dracos que tu m'as offert a évolué. Et maintenant qu'il s'est changé en Dratak, il ne ressemble plus à une météorite. Comme je ne le trouve pas très beau, je l'ai changé contre un... Mais espèce de crétin, t'as un Dratak, tu l'échanges pas contre un Solarok. Bon, même si Solarok peut démon... Non, en fait, Dratak, il lui pète sa gueule. Désolé d'avoir échangé le Pokémon que tu m'as offert, papa, mais je trouve que Solarok est plus joli. Ce soir, je vais encore observer les étoiles et penser à toi très fort. Cher papa, j'étais très content de te revoir la dernière fois, ça faisait si longtemps. On s'est bien amusé, on est même allé au spectacle d'astronomie ensemble. C'était formidable, mais c'est dommage que maman ne soit pas venue. Ça m'a fait aussi de la peine de vous entendre vous dire... Oh, on a un dossier là, les gens. On a un dossier. Je promets d'être sage, alors j'espère que maman et toi ferez la paix. Je vais faire comme tu m'as dit, je vais beaucoup étudier. Mais j'espère que tu me laisseras continuer à observer les étoiles, j'adore ça. Quand je serai grand, je veux devenir astronome. À mon avis... La passion, enfin le boulot du mari a entraîné le divorce du couple et c'est l'enfant qui se retrouve pris au milieu. On a un dossier là les gens, on a un dossier. Cher papa, merci beaucoup pour ta lettre, je vais très bien, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Tu me manques et j'espère te revoir bientôt. Je vais emporter le nouvel télescope que tu peux faire dans ta nouvelle maison. Prends soin de toi et travaille pas trop dur, j'aime autant que les étoiles. Je vais envoyer notre skitou, j'espère que tu en prendras soin. Ils avaient un skitty et on va lire la dernière lettre. Petit garçon avec un télescope accompagné d'une dame qui a l'air de s'ennuyer. Ok, yo. Figurine de Skitty, ok. Ok. Mais attendez, il faut que je regarde un truc par rapport à la clé de voûte, parce que ça me paraît bizarre. Ils en parlent, donc on doit pouvoir la trouver quelque part. Si en plus de ça, on devrait pouvoir trouver Spiritomb là-dedans, je pense qu'on va pas se gêner. Alors, qu'est-ce que ça dit? Voyons voir. Hmm?
Ok, donc apparemment là c'est pas dit, peut-être que sur Cérébi on devrait avoir quelque chose. Alors. Où qu'il est? Et on voir. Voyons voir. Je suis désolé de prendre un peu de temps pour ça. Alors. D'accord. D'accord. En fait, pour Spiritomb, je vais vous montrer ce qu'il fallait faire. Donc du coup, on va re-rentrer dans la salle où on dit qu'on a l'impression qu'on nous observe. Je vais mettre devant l'étagère et je vais sauvegarder. Parce qu'en fait, Spiritomb est un gros troll et il a souvenir. Et il n'hésitera pas à l'utiliser. Du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en tête? Guirame, c'est peut-être pas une bonne idée. On va mettre Fluffy, tiens. Je crois qu'il ne devrait pas lui faire trop mal. Donc du coup, voilà. Ce qu'il fallait faire pour la clé de voûte, c'était aller dans le menu. N'importe quelle option et ressortir. Et Spiritomb apparaît. Comme ça. Salut Spiritomb. Comment il a l'air content de nous voir. Il est niveau 50. Alors on va essayer à la Rapid Ball. Rapid Ball, tu es où? Tu es là. C'est parti. Allez, reste là-dedans, Spiritomb. Une fois. Deux fois. Trois fois. Et voilà! On a capturé Spiritomb, les gens! Alors, Spiritomb, alors, on n'a pas encore le Pokédex, donc on n'est pas son numéro. Et on n'a pas d'infos, parce qu'on n'a pas le Pokédex national. Ça, c'est bien fait. On va pas lui donner de surnom, et on ira chercher le Pokédex national un petit peu plus tard. Voilà. Pour avoir Spiritomb, c'est aussi simple que ça. Vous rentrez dans la pièce, vous lisez le truc. Et vous utilisez une option du menu, n'importe laquelle, et il apparaît. Ok, des trésors. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans cette salle-là? C'est salle 4, ok. Salle 6. Yo. Ouais. Donc on a la clé de la salle 1. Donc on va pouvoir aller de salle en salle. Salut. Ok. On trouve une herbe blanche ici, donc c'est pas mal pour restaurer les stats en cas de besoin. Et donc maintenant, on va chercher le trésor de la Vendiacie. Oui, parce qu'on est là pour ça, hein. On va pas non plus se le cacher. Donc on va plonger puisque la salle 1 est de l'autre côté. Donc, je passe ça pour que vous voyez dans la bonne direction, parce que c'est vrai que pour moi c'est ma gauche, mais avec le miroir de la caméra ça indique ma droite. Enfin, ça indique s'il est à droite de moi, mais c'est ma gauche. Vous comprenez un petit peu le délire. Donc on remonte ici. Alors la salle 1, est-ce que c'est celle-là? Non, c'est celle-là, alors la salle 1. Voilà. On peut plus rentrer à la série, mais la clé porte est désormais ouverte. Bon, allons-y, entrons. Yo. Vous êtes des sœurs un peu bizarres, les filles. Votre nom de famille, ce serait pas Lannister, des fois. Je dis ça, je dis rien. Bon, Corillon Kirlia. C'est vrai qu'on voit qu'on est dans du bas level, hein. Allez, Dracochoc à droite, Telluriforce à gauche. Vas-y mon petit Fluffy. C'est pas drôle, hein, je veux dire, on a quasiment deux fois leur level. Ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ok, donc on les a battus, on va voir un petit peu ce qui se cache un peu dans cette salle. On aura probablement une clé vers une autre salle à mon avis, genre cet item là. Une scuba ball.
dans ce casier-là, on trouve la clé de la salle 2. Donc la salle qui est en dessous de celle-ci, donc un peu plus bas. Donc c'est la salle qui est à gauche, celle-là. Allez, on entre dans la salle 2. Il y a... hop, on trouve un rappel. Salut les filles, qu'est-ce que vous faites là? Quelle est la salle 6? On va pas faire de remarques, hein? Je dis rien. Pas de commentaires. Elles font ce qu'elles veulent. Du coup, on va plonger en direction de la salle 6 qui est de l'autre côté. Et on va aller chercher des trucs. Et on va continuer donc notre petit jeu de piste pour ouvrir toutes les salles de la Vendiacie. On va remonter, donc la salle 6 ça a l'air d'être celle qui est en bas, théoriquement. C'est le numéro supérieur, c'est comme ça que ça fonctionne. On a vu, on a dû entrer dans les salles 3 et 5, je pense. Et celle-là? Non, ça c'est la salle de Spiritombe. Donc la salle 6, c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-là. Est-ce que c'est celle-là? Non, salle 4. Donc la salle 6, c'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Allons-y, hein. Ah, il y a une sortie. Bah, on va voir. Pas un objet par ici. Non, ok. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe. Donc du coup, il faut surfer. Il n'y a rien par ici. Il y a un objet. Non, ok. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Ça mord? Ouais, ça mord pas aujourd'hui. J'ai réussi à pêcher ça. Donc on a la clé de la salle 4. C'est gentil. Donc du coup, il ne reste plus qu'une seule salle à ouvrir. Enfin, je crois qu'il y a une autre salle sur le petit lopin de terre avec le sable ici. Hop, on rentre là-dedans. Salle numéro 4. Elle est juste là. Voilà. On rentre dedans. Clé stockage. De la salle qui est dehors, à mon avis. On va quand même inspecter un petit peu les étagères pour voir. Image à bibidos sont entreposées, bulletin d'information de la Vendiacie, bon. Ouais, à mon avis, quelque chose me dit qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Donc du coup, il ne reste plus qu'à aller ouvrir cette dernière porte qui se trouve donc dehors. Et bon, stockage, théoriquement, il doit y avoir plein d'objets dedans. Enfin, quelques-uns au moins. Peut-être qu'avec un peu de chance, on va pouvoir trouver des trucs, genre... salle... oui, je crois qu'on distingue une porte un peu plus haut. Allez, on rentre là-dedans. Tiens, c'est ouvert! Qu'est-ce que tu veux encore, toi? Bien joué, frérot, c'est toi qui as fait ça! Mate-moi un peu ça! Tous ces trésors, des tonnes de trésors! Les trésors à plus savoir quoi en faire! Le vieux Rapia, tu m'étonnes qu'il était après ce magot. Bon boulot, frérot, tu peux filer maintenant. Alors, tu as trouvé mon trésor? Et comment, monsieur Marius? Ah, donc en fait, Marius Cosmo, c'est le vieux. Donc, le Hippolyte Cosmo qu'on a vu, c'est le professeur Cosmo qu'on a croisé à Otekia. Donc c'est Cosmo Senior. Vous avez dit, il y a des dossiers, hein. Il y a des dossiers dans Pokémon, les gens. Oh, Hippolyte, tu n'as pas eu trop peur ici? Je m'en veux tellement, allez on rentre à la maison. Le mec, il y a plein de trucs, non, je prends le Skitty. Mais, chef, attendez-moi! Eh frérot, ton jour de chance, serre-toi. Eh, comment? En plus, je vois qu'il y a une CT dans le tas. Une maxi-pépite, je veux bien. Une pépite, je veux bien. Une maxi-pépite, je veux bien.
C'était 13 laser glace. Je veux bien. Pépite. Je prends. Je crois que tous les objets c'est des pépites ou des maxi-pépites à ce prix-là. Regardez tout ce qui reste. On se fait des couilles en or. Littéralement. Vous croyez qu'ils ont mis ça genre pour qu'on puisse financer l'achat d'Hyperball vu la shit tonne de légendaires qu'il y a? Oh, sérieusement, ils ont peut-être fait ça exprès pour qu'on ait suffisamment pour se payer tout ça. Et vous voyez ce que je vois? Vous la voyez la méga gemme plus bas? Pépite? Maxi pépite? Avec ça, on va se faire au moins 100 000 avec ça. Pépite? Pourquoi pas? Alors, maxi pépite. Allez, maxi pépite. Tac, on ira revendre ça dans une boutique, mais... Luxe Ball. Bon, on dirait que c'est du luxe. Et on va aller chercher cette méga gemme là. Qui nous toise du regard. Et il s'agit de... la Dardarnite. Donc pour faire méga évoluer Dardarnian. On la valide. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que ça nous fait un bon épisode d'un peu plus de 45 minutes. Donc on a fait une première exploration de la grotte Tréfonds, suivie avec capture de Spiriton plus tout le Lavandiassi. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce 38e épisode. J'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de démonter la face de ce bouton j'aime pour montrer votre soutien qui fait toujours plaisir à voir, je le rappelle. N'hésitez pas à conclure, laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, mais à parler de la chaîne autour de vous, vous commencez à connaître la musique. Et donc, en attendant la suite, on fera une deuxième exploration de la grotte Tréfonds à marée basse cette fois-ci. Et on ira à New Lavandia. Ça devrait être un bon petit programme déjà pour le prochain épisode. Et donc, en attendant la suite, encore merci de votre soutien. Ne changez pas, et je vous dis à très vite pour la suite des événements sur Pokémon Saphir Alpha. Bye tout le monde.